c'est avec un grand plaisir que je me retrouve seul aujourd'hui. Et je vais vous partager avec vous l'ON orchidée que tout le monde connaît, qui est populaire dans le monde entier. Une orchidée qui nous appelle les Phalaenopsis. Mais à Maurice, vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui ont une Phalaenopsis, une Astelle Phalaenopsis. Je suis un peu découragé. Et je dis, où je n'ai pas réussi avec Phalaenopsis. Et à Maurice, ce que vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui plantent Phalaenopsis dans le charbon avec coco husk. Mais avec ma petite expérience personnelle qui m'a fait gagner, qui m'a dit la vraie façon, qui m'a dit pour proposer, qui m'a pour qui nous faire Phalaenopsis chez nous. Alors, ce qui m'a remarqué, Phalaenopsis, il y a une plante qui est extrêmement populaire et il est aussi très facile pour capable entretenir. Alors, ce qui m'a pour faire, vous montrer ça. Qui meilleur ou pour qui pour Phalaenopsis chez vous et où vous trouvez où vous venez un grand fan de Phalaenopsis quand vous trouvez Phalaenopsis ou pour envie acheter ou envie d'une collection de Phalaenopsis chez vous. On va trouver là devant moi nous avons un affaire qui s'appelle Hispagnumbus. Hispagnumbus, que dans une carte j'ai dit un mos. Et est disponible ou capable de gagner dans Maurice. Par exemple, soit dans Gouze de la Rivière Noire, dans la région de Grand Bassin, quand il y a beaucoup d'humidité dans la forêt, où vous trouvez l'île aux bonnes arbres. Alors, quand tu as dit, soit envie ou pas envie d'acheter, ou elle a quelques plantes, sinon, il est disponible le mardi. Alors, ce qu'il nous fait à Maurice, nous gagnons ce qui est importé, il n'est pas cher, il est disponible un peu partout. Alors, ce qu'il nous fait, pour vous donner une démonstration qui m'a hier pour planter dans Hispagnumbus. Vous trouvez devant moi, il y a une plante qui est déjà dans un médium qui doit appeler Hispagnumbus. Alors, bon, là, il y a une plante qui est assez mature. Alors, sa plante-là, quand elle est plus petite, il y a un plus petit pot et plus plus petite quantité de Hispagnumbus. Bon, là, à mesure qu'une plante peut grandir, nous avons besoin de ce pot, mais il y a un pot plus grand. Comme vous pouvez trouver là, cette plante-là, il y a une plante extrêmement bonne santé. Alors, bien, bien souvent, quand vous trouvez, il y a une racine qui est une sec, alors qu'on peut réempoter. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez nettoyer bien propre, ou coupler avec un ciseau et stériliser. Bon, comme on peut dire, vous stérilisez, vous pouvez garder un peu de javel, ou soit vous prenez la lampe avec l'alcool, whatever, ou brille ou ciseaux. C'est très, très, très important. Parce que si vous coupez tout bonne plante en même temps, il y a beaucoup de risques de maladies qui sont capables de propager dans différentes plantes coupées. Alors, c'est une mesure très, très, très importante, ou ciseaux. À chaque plante que vous pouvez couper sur racine, vous pouvez couper une feuille, vous pouvez stériliser, après vous pouvez couper une deuxième plante. Alors, comment vous trouvez cette plante-là? Sur racine, elle est très en bonne santé. Ça veut dire qu'il n'y a rien que vous pouvez tirer, que vous pouvez couper là-dedans. Alors, ce que vous faites, quand vous pouvez le mettre dans un deuxième pot qui est plus grand, alors ce que nous faisons, nous le mettons dans ce pot directement, et il n'y a rien que le couper. Alors, ce que nous faisons, nous commençons à mettre Hispagnumbus à côté au lit. Et quelque chose qui est très 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 important, faudrait ou pas mettre ça Hispagnumbus là légèrement, bien bien compressé, c'est très important pour si vous plantez qui les lasse dans un pot là, les bouger, il y en a beaucoup de risques qui pour vous et qui pas vous développe comme on a besoin. Alors, nous bien mettre ce Hispagnum bien compressé. Et Hispagnum, il y a une jolie petite médium quand vous êtes là pour la bien organiser. Il est extrêmement joli. Voilà. Au réempotage, il est prêt. Tu me vois une étape très très importante, l'arrosage. Il y a beaucoup de monde pas qu'on arrose le Phalaenopsis. Je t'ai occupé Phalaenopsis. Ce qui est arrivé quand je t'arrose à l'extrême, on trouve quelques temps après, ce feuille vient soft, vient mou. Alors, un des le tout bonne feuille, il commence à abîmer. Alors, la plante là, il finit disparaître, il finit mort. Alors, il y a une plante qui n'a pas de bonne, beaucoup d'arrosage, qu'on peut mettre dans la Phalaenopsis. Je vais vous montrer où cette plante là,
mettez un petit verre qui peine aucun drainage, peine. Alors, il n'y a que espagne dans le mousse, par exemple, mon fait aller là. Alors, sa plante est mon bégété là. Vous pouvez trouver qui commence peut-être sa espagne dans le mousse, un sec. Il peut devoir un petit peu de l'eau. Alors, vous mettez un petit peu de l'eau tout autour là. Voilà, vous plantez et vous finissez à arroser. Et sa plante là, vous pouvez arroser 10 jours après. Un des affaires qui est très 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 important encore, ou bien évite d'arroser une feuille. Quand on peut arroser, Phalaenopsis n'est pas content de l'eau sur feuille. Alors, il y a des fois où vous trouvez un petit la poussière, vous pouvez suivre, vous pouvez prendre un petit flanel, un petit la toile, ou nettoyer ou Phalaenopsis sur feuille. Phalaenopsis content que ce médium que vous plantez, comme Sphagnomus, et sur racine gagne de l'eau. Que ça. Alors, moi, là-dedans, mon diao, là, peut-être en été, quand on peut commencer à faire chaud, il peut évaporer assez vite. Peut-être dans 7-8 jours, vous finissez de trouver quand vous spagnum insecte, alors vous donnez un petit arrosage. Vous montrez où. Pas grand arrosage, il faudrait qu'on peut guetter, dépendant de l'accumulation de l'eau. S'il y a une accumulation de l'eau, il est très dangereux pour la plante. Si vous avez une Phalaenopsis comme Maurice, nous avons un climat qui, deux fois, une Phalaenopsis fleurit au début l'été et dans la fin l'été. Alors, il y a deux périodes qui une Phalaenopsis fleurit. Mais dans beaucoup de pays du monde, même en Europe, vous êtes capable d'avoir une Phalaenopsis tout le long de l'année. Qui fait? Je vais mettre dans une condition, dans une serre qui gagne une température qui est bizarre. Je contrôle sa température, alors vous êtes capable de gagner Phalaenopsis toute l'année. Bon, et là, il y a des gens qui sont capables d'en mourir aussi. Je vais apprendre avec le défunt M. Kadarou, qui dit il y a des fois, il peut mettre une Phalaenopsis devant la chambre, qui, avec une température qui est bizarre, alors capable de faire fleurir une Phalaenopsis toute l'année. Mais si dans un climat normal, comme nous sommes à Maurice, nous gagnons une Phalaenopsis fleurit deux fois par an. Il y a des fois, une Phalaenopsis a besoin de nientes nutriments. Alors, le nutriant idéal pour une Phalaenopsis, c'est 20-20-20. Alors, quand vous gagnez, quand vous avez un fertilisant, vous avez demandé un fertilisant qui appelle 20-20-20. Alors, l'idéal pour Phalaenopsis, vous donnez un arrosage une fois tous les mois, si vous voulez, ou tous les 15 jours, un petit spray avec un sprayer dans ce médium. Et vous gagnez une Phalaenopsis pour fleurir, et vous donnez une grosse tige. Il y a des fois même, il y a un gros Phalaenopsis, des capables sont bien occupés, on donne son nutriment bien, vous pouvez gagner deux tiges en même temps, et avec beaucoup, beaucoup de fleurons. Et dans une Phalaenopsis, capable d'avoir 15 à 20 fleurons. Plus vous occupez bien, plus vous gagnez jolies fleurs. Voilà, comment vous trouvez ça au Kidela, là, nous finissons en potli. Maintenant, vous êtes capable de décorer avec un petit galet, couleur. Ici, nous avons un petit peu galet, couleur blanc. Alors, nous posons le sphagnum. Vous pouvez nous mettre ça galet là. Il fait des jolis en même temps. Il y a une importance qui fait nous mettre là. Parce que, comme vous connaissez, le sphagnum est très léger. Alors, quand vous plantez dans le pot, plante là, il y a une tendance qui est capable de tomber. Alors, ça, galé là, il donne un petit poids, une stabilité de la table. C'est-à-dire qu'on peut mettre là, pour là, il y a un petit poids, il y a une stabilité et il est difficile à se renverser. Maintenant, c'est un dernier conseil qui me peut donner. Tout le temps, quand vous faites une obsession, c'est une finie fleurie. Peut-être si vous occupez bien, il est capable de rester. Mais une Phalaenopsis se flaire, il est capable de rester même jusqu'à 4 mois sur la plante. Alors, si vous occupez bien, flaire là pour rester bien longtemps. Quand vous flaire finit,
Alors, un conseil qui tout le temps pour nous, parce qu'il y a des gens qui ont fait ça, tisa, comment il était. Alors, ce qui est arrivé, il y a des fois, sa prochaine tise qui peut sortir là, il sortit trop là-haut, et planter, il est difficile à tenir. Alors, un conseil qui m'a donné tout le temps, quand on flaire fini, un abandonné, là, comment on canina, vous comptez peut-être 3 ou 4, et vous couplez, et vous sécatez. Moi, tout le temps, quand on veut couper une orchidée, il y a besoin de sécater ou un ciseau bien stérilisé, comme on dit tout à l'heure là. Alors, couplé, et là, là, aux prochaines tiges qui peuvent sortir, ils peuvent sortir dans, parmi sa banne qui est dans là. Alors, ils peuvent facile à tenir, ils peuvent trop là-haut, et ils sont capables de gagner une plus longue tige avec beaucoup de fleurons. Phalaenopsis, on a une gamme, beaucoup de différents types de Phalaenopsis. Par exemple, on va monter là, là nous montons deux types, une miniature et qui a un gros fleuron. Il y a différents types de Phalaenopsis, mais sur l'entretien, il est pareil. Vous pouvez garder dans une place où il y a un peu d'humidité. Et pendant qu'il vous flaire, une fleurie, vous pouvez mettre à l'intérieur de la maison, dans le salon. N'importe quoi tout ou quand mettez dans la cuisine, whatever. Alors, quand ce flan fini, là, on retourne dans ce milieu humidité, côté dans une humidité beaucoup. Alors, là, on a beaucoup de chance qu'il flaire aux plantes Phalaenopsis pour flairer quand cette saison est arrivée.